Allez, 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 une fusée. Encore une. Encore une. Oui. Non. 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 Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Happy Room. On va dans cet épisode attaquer les Fatalities, puisque bah oui, on y arrive, hein, voilà, les Fatalities, on va en avoir pas mal à faire. Mais avant de commencer les Fatalities, on va faire une tâche qu'on n'avait pas réussi la dernière fois, qui était activer 11 piquants en une seconde. Et bah en fait, c'est très simple, il y a vraiment, 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 mais rien de compliqué. Bah il faut juste utiliser une fusée. Alors, sur le coup, je me suis dit, mais la fusée, ça peut pas fonctionner, mais si. Apparemment ça fonctionne. Donc en fait on va utiliser une fusée. On va mettre un portail au bout, un portail ici. Et ensuite on va rajouter des picots au niveau du sol. Et voilà, il n'y a rien de plus simple. Et ça fonctionne. Donc je me suis dit bon, la dernière fois je fais pas cette technique parce que bah, le personnage va rester coincé sur les picots. Et en fait pas du tout. Le personnage ne reste pas coincé sur les picots, il va continuer à suivre la fusée. Et donc ça devrait fonctionner. Alors ils font 11 picots, là on en a 5, 4, là, donc là on est à 11 picots. On y va, c'est parti, let's go. Allez, allez, allez. Ah c'est pas assez rapide. C'est pas assez rapide, c'est ça le problème. Peut-être la mettre un peu plus vers la droite, la gauche comme ça. On va essayer. Ah, on y est presque, on y est presque. Ah, là on y était presque. On va voir si ça change quelque chose. Alors par contre, faut que ça prenne le personnage quand même. On va le rajouter un peu plus à droite. Là, ça devrait être bon. Voilà, là il est bien là. Là il est bien placé. Allez. Allez, 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 allez. On y est presque, c'est bon. Ah bah voilà, ça fonctionne. Donc ça fonctionnait mieux que qu'en mettant le portail en bas à droite. Yes, je pensais que c'était pas la bonne technique là, à un moment je me suis dit merde, finalement ça marche pas. C'est bon. Ouh, bon, bah écoutez, on a terminé toutes les tâches maintenant, on va pouvoir améliorer, hop, le dernier point. On va commencer avec la bombalité, achever le cobaye avec une fusée. Alors la fusée fait combien de dégâts, juste pour voir. Alors combien de dégâts ça fait? 265 de dégâts. Donc on va devoir l'achever avec une fusée. C'est compliqué. Bon, je peux en mettre plein de fusées un peu partout. Déjà, il va falloir trouver une technique pour faire des dégâts. Et j'ai une technique qui fonctionne généralement très bien. C'est de mettre plein de ressorts par terre. Vous savez très bien ce que je vais faire. Et on rajoute des canons glaciales un peu partout. Je pense que cette technique, je vais énormément l'utiliser hein, parce qu'elle marche très bien. Voilà. Alors, bon, il ne faut pas oublier les fusées parce que bah, sinon, ça ne fonctionne pas. Je vais mettre une fusée déjà ici. On va rajouter une fusée ici, on va rajouter une fusée là, une fusée là, une fusée là, une fusée là. Et c'est déjà pas mal. Et après, bah, il faut espérer que le personnage meure à ce moment-là. Alors, les fusées, je peux les changer de côté. On va les mettre. On va en mettre une comme ça. Une à gauche. Celle-là, je vais la laisser à droite. Celle-là, je vais la mettre en haut. Celle-là à droite, celle-là à gauche. Voilà, ça me semble plutôt bien. Ah, il me reste encore de l'argent, merde. Je vais mettre une fusée ici. Voilà, vers le bas. Très bien, ben, c'est parti pour faire la bombalité. Enfin je l'espère en tout cas. Let's go. Alors normalement il y a assez de dégâts hein. Normalement. Allez, ça repart de l'autre côté. On est déjà à 7000 de dégâts, 8000 de dégâts. Ah, ça va peut-être manquer un peu de dégâts. Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Après on n'a pas activé encore toutes les fusées. Et boum. Ah non, ce sera juste suffisant. Ah, je sais pas si les fusées vont faire assez de dégâts. On va accélérer. Ça va être chaud hein. Moi je pense qu'on va réussir. Allez, la bombalité. Bam. Bam. Allez, on y est presque. On y est presque. Allez, 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 une fusée. Encore une. Encore une. Oui. Non. 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 Bon, c'est pas grave, on a fait le Springality. Mais on le connaît déjà, le Springality. Bon, il a pas la même gueule que le Springality dans le cachot. Mais voilà. Oui, plus de fusées, oui. Ça, c'est bon. Allez, encore une fusée, encore une fusée, encore une. Juste une, une, une fusée. Une fusée. Et bah voilà, le Bombalité. Bam. Dans ta gueule. Ah, c'est bien, comme ça, je pourrais refaire un montage avec toutes les Fatalities du laboratoire. C'est cool. Bombality. C'est réussi.
Voilà, il fallait juste attendre un peu et voilà. Alors maintenant, on va attaquer le missile T. Achever le cobaye avec un missile. J'ai presque envie d'utiliser la même technique, clairement, hein, parce que les canons glaciales, c'est très fort. Alors les lance-missiles... Non, c'est... Oui, c'est ça, avec un missile, donc on parle de lance-missiles, je suppose. On va mettre des lance-missiles. Alors il faudrait éviter de les utiliser trop rapidement, c'est ça le problème. Donc je pense que je vais faire un truc. Je vais placer énormément de canons glaciales d'un côté. On va placer les canons glaciales du côté gauche et je vais mettre les lance-missiles du côté droit. Alors, canon glacial. Ils étaient où les canons glaciales? Là. Juste là. Hop. Voilà. C'est d'en placer un maximum quand même, hein, parce qu'il en faut des dégâts. On peut rajouter des mines aussi. Ça fonctionne très bien les mines. Ça fait beaucoup de dégâts au début, c'est cool je trouve. Des mines. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi de sympa qui pouvait faire des dégâts? Piranha, disco, rayon de la mort. Oh, rayon de la mort, c'est cool aussi. J'ai trop envie d'en mettre un. Je vais en mettre un là. Rayon de la mort. Et qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? Bah, je pense que ça suffit parce que on va devoir remplacer des lance-grenades. Et je vais les placer à droite. En espérant qu'on les utilise pas tous. Ça va être chaud. Non, c'est pas des lance-grenades. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, c'est des lance-missiles. Je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre des lance-grenades. Voilà. Maintenant, il faut espérer qu'on les utilise pas tous. Est-ce que j'en mets un quand même à gauche? Ouais, allez, pour le plaisir. Let's go! On y va pour les dégâts. Voilà, c'est bien ça. Il est parti à gauche, c'est parfait. C'est bien. Oui. Allez, allez, prends-toi toutes les fusées dans la gueule. Allez, allez, une fusée. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Sérieux? On vient de faire le Frozenality? Non. Il y avait plus de... Il y avait plus de glace? Si? Il devait en rester un peu, mais légèrement. Ah, je suis étonné. Bah, ça marche bien cette technique, en tout cas, le personnage reste bien à gauche, donc c'est cool. Ah si, il restait un peu de... Ouais, si, il restait un peu de canon glacial. Ah ouais, non mais... Allez, vas-y, vas-y. Allez, 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 vas-y. Allez. Putain, mais c'est pas vrai. Je fais toutes les autres fatalities. Ah, le rayon de la mort fait le fatality basique, en fait. Ça s'appelle fatality. C'est excellent, ça. Allez. Bah, je vais mettre moins de canon glacial, sinon, hein. On va rajouter plus de lance-missiles. Ah, et c'est bon. Et c'est le Rocketality qui vient d'arriver. Parfait. Voilà. A bousiller le personnage. Excellent. On débloque énormément de skins. Je vais pas le changer parce que j'aime bien le skin de base en fait avec la tête d'oiseau. Ouais, moi ça me plaît. Allez, alors maintenant on va passer à la Hachality, achever les cobayes avec une hache. Bon, ça c'est très simple, on l'avait déjà fait également. Donc là il y a juste enlevé tous les lance-missiles. Je pense que je vais tout enlever là en fait. Tout simplement. Et on va rajouter que des haches. Et ça fonctionne très bien. Bon, je peux laisser les petites mines, hein, voilà, pour faire un peu de dégâts supplémentaires. Donc là les haches, voilà. On rajoute, alors je ne sais plus combien on peut en rajouter. Je vais en rajouter 4, comme ça. Voilà, ça me paraît bien. Et après, c'est tout en fait, ça suffit amplement. Ouais, je peux rajouter des petits monstres. Non, les monstres, c'est une mauvaise idée. Parce qu'on va se faire avoir. Non, mais déjà, c'est pas mal. On va laisser comme ça. J'ai pas utilisé tout mon argent, mais ça devrait être largement suffisant. Ça, c'est vrai qu'on avait encore le rayon de la mort. Ah, oh, j'avais complètement oublié le rayon de la mort. Tiens, 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 tiens. Oh, est-ce que ce sera suffisant en termes de dégâts? Ah, peut-être pas en vrai. Peut-être pas suffisant en termes de... Oh, il prend tellement cher. Il prend tellement cher, la vache. Ah ouais, mais non, parce que là, c'est chiant. Parce que le personnage, il va pas assez sur la droite. Ouais, t'as un ressort à droite ici. Et je vais rajouter bah, des armes. Allez, on va rajouter quelques canons glaciales. Voilà, pour un peu plus de dégâts. Mais bon, ça devrait être bon, là. Tiens, rayon de la mort. Rayon de la mort. Tiens. Allez, c'est bon, là. J'aime trop les haches. On a l'impression d'être dans un putain de flipper. Tiens, tiens, tiens. Prends ça dans la gueule. Alors, il faut que tu retournes à gauche par contre maintenant. Voilà, là t'es bien ici. Là t'es bien. Et voilà, c'est la HLIT. What? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait eu dans le cachot. Totalement différent. Pouah, il s'est fait couper dans tous les sens. Excellent. Donc passons maintenant à achever le cobaye avec une mine.
Ça, ça me plaît, les mines. On va placer des mines partout. Ça, j'aime bien, ça. Ça, j'aime bien. On peut en mettre contre les murs et tout. On va en mettre partout, partout. Je vais utiliser que des mines, je pense. Hein. Ouais, on va faire que ça. On va utiliser que des mines. Alors, contre les murs. Contre les plafonds. Ah, là, on met des mines partout. Ça, j'aime bien. C'est facile. Il n'y a pas besoin de réfléchir. J'aime bien quand il n'y a pas besoin de réfléchir. Voilà. C'est parti pour la minalité. Minalité. Alors, est-ce qu'il y a assez de mines? Ah, j'ai un doute. Il n'y a peut-être pas assez de dégâts, là. Il n'y a pas assez de dégâts. Il n'y a pas assez de dégâts. Je pense que je vais enlever le rayon de la mort. Je vais remettre un bumper. Et en fait, je crois que je vais virer les mines contre les murs et les plafonds parce que elles ont du mal à s'activer. Vous pouvez mieux les mettre en fait contre le... Enfin, sur la surface. Ce sera mieux. Et même avec ça, j'ai des doutes là en termes de dégâts. On a peut-être pas assez. Est-ce que je rajouterai d'autres sources de dégâts? Je pense qu'il faudrait rajouter d'autres sources de dégâts pour faire plus de dégâts. Par exemple, un laser. On peut mettre un laser là. Un laser là. On peut rajouter quelques canons glaciales. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Canon à plasma. Lance-flamme. Et... fusil à pompe. Il va tout rajouter. On va rajouter encore des mines. Voilà, et maintenant faut espérer que ce soit la mine qui tue le personnage. On y va. Je pense que ouais, déjà en termes de dégâts, là, on est un peu mieux. Ah, il va pas rester beaucoup de mines aussi. Hein. Ah, il va rester très peu de mines. Il va rester très très peu de mines. Allez, allez. Bah non, mais il y a pas assez de mines. J'ai pas assez d'argent. Allez, lance-flamme, c'est nul, non? C'est pas ouf, hein. Ah là, c'est mort. Ah là, c'est mort. Et ma tête va de gauche à droite depuis une demi-heure. Non, ça fait 10 minutes que je suis dessus. Ah là, c'est bon, c'est bon. Allez, allez, une petite bombe. Eh oui, Minality. Et j'ai explosé le personnage. Eh oui, excellent. Putain, elle m'avait saoulé cette tâche. Elle était chiante. Surtout qu'on utilise toujours la même stratégie avec des canons glaciales partout. C'était chiant. Achevez le cobaye avec un canon à plasma. Vous savez quoi? Je vais utiliser une autre technique pour une fois. On va utiliser la technique des scies. Que vous connaissez tous, bien entendu. On va mettre des scies de cette façon. Et on va mettre deux portails. Celle-là, elle est connue. C'est une technique que beaucoup de personnes utilisent. Et qui a fait ses preuves plusieurs fois. Sur plusieurs vidéos. Voilà. Hop. Là, on va rajouter du coup un portail. Alors, est-ce que je peux mettre le portail en haut à droite? C'est chaud, là, non? Est-ce qu'il rentre? Ouais, mais le personnage va pas passer en dessous là? On verra bien. Je mets le portail ici. Déjà, c'est quoi déjà avec un canon en plasma? Qu'est-ce que c'est un canon en plasma? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça! Ça fait beaucoup de dégâts, je crois. Mais je vais en mettre partout. On va mettre des canons à plasma partout. Alors, faut qu'il puisse toucher le personnage quand même. Voilà. On va rajouter ici. Voilà. Alors, combien ils ont de charges? Ben, on sait pas trop, en fait. Et on va rajouter plein de choses. Comme, par exemple, des mitrailleuses. J'aime bien les mitrailleuses. On va en mettre là, juste au bout. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de sympathique? Ce qu'on peut faire, c'est rajouter, là, un petit... bon, on va pas rajouter trop de trucs, sinon on va pas pouvoir le tuer avec le canon à plasma. Mais il faut quand même faire des dégâts. La Tesla. On peut rajouter une Tesla ici, jusque là-bas. Ah, c'est une trop bonne idée, en vrai. Le personnage va toujours prendre des dégâts. Putain, le génie! Le génie, voilà. Et c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Après, on peut rajouter des mini-lasers. Ça fait quoi, déjà, ça? Ah! Ah, c'est un peu comme les Tesla, du coup. On peut faire ça. Attendez, je vais mettre là, juste pour tester. Je sais pas si ça va faire beaucoup de dégâts, mais j'ai envie de tester. Voilà. On s'est pas très bien placé, mais c'est pas grave. Je teste. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? J'allais mettre un rayon de la mort, non, pas très utile ici. Une hache, là. Voilà. Et c'est déjà pas mal, et on va rajouter, tiens, voilà, des derniers... encore des canons plasma.
Hop. Hop, voilà. On a terminé en espérant que ça se passe bien. Allez, des petites mines, vu qu'il me reste encore quelques dollars. Et c'est parti, on y va. Ah, il repart de l'autre côté. C'était pas prévu de base. Non mais, c'est parce qu'il est poussé, regardez, il est poussé par les canons plasma. Non, tu dégages. Non, tu restes de ce côté-là. Excellent, ça. Ah, du coup, il est un peu bloqué, en fait. C'est pas vraiment la stratégie que je voulais employer, mais bon. Bon, attendez, on va accélérer un peu parce que sinon on va mettre 10 ans. Ouais, on a tellement pas assez de dégâts, je pense. Oh. À chaque fois, il repart de l'autre côté, quoi. J'imaginais tellement pas la chose comme ça. Ça fait mal les canons plasma quand même. Hein. Ça fait mal. Allez, 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 va à gauche, s'il te plaît. Un peu à gauche. Non, tu veux pas, t'as pas envie. Non. Non, t'as pas envie. Ah, là, les canons plasma vont être utilisés, c'est chiant. Ah, quoique. Allez, prends un peu de dégâts avec la hache. Allez, peut-être, on a peut-être une chance là. Et non, puisqu'on a fait la Bladality. Du coup, faut que je change ma stratégie. On va faire ça. Et du coup, les canons plasma, je vais les mettre ici. Pour pousser le personnage de ce côté-là. Voilà. Après, je peux en rajouter ici. C'est chaud en vrai. Là, est-ce qu'il va être poussé à gauche? Bah, je sais pas trop parce qu'il y en a aussi de l'autre côté. Ouais, là déjà c'est un peu mieux. Si, là c'est cool. Au moins il va à gauche. Au moins il va passer le portail. Voilà, là on est déjà sur quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux. Ouais, si c'est bon. Est-ce qu'on aura les dégâts nécessaires? Largement. Maintenant, est-ce qu'on va tuer le cobaye avec le canon à plasma? C'est une autre question. Non, mais reste là-bas. Non, va à gauche. Complètement bloqué. Ah, à gauche. Bah, c'est bon, ça va le faire là. Ah, il en reste que 3. Il en reste que 3. C'est chaud. Ça peut le faire. Il en reste que 2. Il en reste qu'un. Allez. Le dernier tir. Allez, vas-y. Oui. Oh putain, c'était avec le dernier canon plasma. Et c'est l'explosion de saveur. Plasmality. Avec le dernier tir de canon plasma. On a réussi à faire le Plasmality. Et ça c'est beau. Et c'est ce qu'on veut voir dans Happy Room. Ah, formidable. Quoi, on a une baguette de pain, réellement? Non, c'est pas une baguette de pain, c'est un hot dog. Putain, n'importe quoi. Alors maintenant, achever le cobaye avec une grenade. Avec une grenade? Avec le lance-grenade? On va garder cette technique et je vais virer les canons à plasma. Et je vais mettre le lance-grenade. On va tester. Lance-grenade. Il a une bonne portée, donc on peut vraiment en mettre partout. Je pense que les grenades vont être un peu partout sur le terrain. Voilà, on va faire ça. Voilà. Allons-y. On va voir si ça fonctionne. Ah mais non, mais les grenades aussi, ils peuvent pas. Elles sont bloquées en bas. Ah mais non, ça va pas. Regardez toutes les grenades bloquées en bas du coup. Il y en a tellement. Après, regardez, elles reviennent dans le portail. Ah, quoique. Bah oui, parce qu'elles reviennent dans le portail après. Oh putain, ça fait un combo. Regardez toutes les grenades. Non, ça peut le faire. Ça peut le faire. Faut pas qu'elle reste bloquée à droite. Ah, on perd énormément de dégâts aussi. Il y a trop de grenades qui restent bloquées. Hein. Allez. Il y a toutes les grenades qui roulent. Qui roulent tranquillou vers la gauche. Oh là 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 là. Ça fera pas assez de dégâts. Ouais, il va falloir rajouter une autre source de dégâts. Quand une technique marche pas, il faut pas essayer plusieurs fois. Je suis à actuellement beaucoup d'essais et donc je me suis dit que j'allais terminer cette tâche en utilisant les canons glaciales. Voilà, je m'emmerde pas. Voilà, les canons glaciales, ça fonctionne à chaque fois, regardez. Logiquement, ça devrait fonctionner. Faut juste prier pour qu'il y ait une grenade qui touche le personnage à la fin. Mais ça fait tellement de dégâts, les canons glaciales, mais c'est abusé, je trouve. Ça en devient même trop simple en fait, c'est ça le problème. Allez, une grenade. Une grenade qui touche le personnage et voilà. Et voilà. Grenade Vitality, tout simplement. Oh, allez. Excellent. Excellent. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là les amis pour cette nouvelle vidéo sur Happy Room Laboratoire. Alors il nous reste combien de Fatality à faire? Je pense pas qu'il nous en reste beaucoup.
93, 18, il nous en reste 25. Ah, ça va. Je pense encore deux vidéos et on aura terminé... On aura terminé cette aventure ensemble. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur Happy Room Laboratoire. J'espère que ça vous a plu. On se dit bien entendu à la prochaine pour d'autres vidéos. Je fais de gros bisous. Salut.